بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons ce qui nous a arrêté hier, c'est concernant la bataille de Uhud. À partir de là, nous venons avec le point que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam recommande nous pour une personne qui fait visite de la ville de Madina qui a l'Uhud. Et là-bas, qui s'en a été précisément, c'est le camp de Hamza ibn Abdul Muttalib radiallahu anhu et le camp de Moussa ibn Humayn radiallahu anhu. Les deux personnes, elles, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la mode de bataille, oui, mais en même temps, point à retenir, c'est Hind, madame de Abu Sufyan, les pays une personne. Washi. Les yalis de la guerre te tue Hamza et tu amènes un prêt. Tu tiens sur les fois, tu tiens sur les quais, tu amènes pour moi. Effectivement, après la bataille, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait morcer, les bureaux de Tchatcha, ils trouvent un écho qui sur l'estomac fait ouvert. Imaginez. Ça, à l'époque-là, il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas d'anesthésie. L'écho ouvert. Son aîné coupé, ses oreilles coupées, les vieilles, les guettes sur les dos, le mot qui y en a, les reconnaît, ça c'est ce tchatcha. Nous venons avec Moussa bin Roumain, radiallahu anhu, qui est la casse, dans ma cas. Et tu veux mettre une bande pour faire qui, bande des autres pas capables, à faute pour mettre. Mais seulement, quand il finit mortier, quand il finit décédé, quand on a pu couvrir sur la tête, sur les pieds de haut, quand couvrir sur les pieds, sur la tête de haut. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Jésus couvert sur la tête et couvert sur les pieds avec ma fille. Pour montrer nous l'accepter qu'il luxe. À l'âge de 18 ans, qu'il luxe de sa lumière-là. Pour les vindans, pour les vindans, l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les points à retenir, c'est ne vous trouve montagne ou Uhud. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, de plusieurs récits, de plusieurs hadiths, lui montrer nous valeur de sa montagne là. Il a amené pour ce bienfait quotidien où Uhud compte en nous, compte en lui. Ou lui montrer lui à travers ma comparaison quand il dit à nous, même si tu dépenses une montagne Uhud dans l'eau, tu ne vas pas arriver quand tu dis moment de compagnon fait une faire pour moi. Ou dans le récit, dans le hadith, il dit, un seul lui qui soigne un lichien, tous les jours, un trahirant diminué pour recevoir une bonne action. Et lui dire, ça c'est comparaison avec une montagne Uhud. Ou dans le hadith, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant une personne qui fait un namaz anaza et lui suivre jusqu'à Dafnao, jusqu'à Antéali, les genoux de guerre récompensent une montagne Uhud ou bien des montagnes Uhud. Tout ça là pour faire nous comprendre que sa montagne là, lié à un point. Viennent à sa place dans l'islam jusqu'à même parmi la dernière place que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin visité avant qu'il quitte dunya, c'est qui lui dit sur mon compagnon amène-ni Uhud, il regarde sa place, il regarde sa place là. Donc de là nous trouvons que sa montagne, sa place là, sa bataille là, fin est un point bien important dans l'islam, malgré qu'il nous capable de trouver la défaite. Mais seulement fini n'a beaucoup les sous à retenir depuis sa bataille là. Et comme mot de la fin, parmi ban, les sous à retenir, c'est celui qui nous vient sur la tête pour lui trouver, qui ban sahaba pédissan, lui fait les tout y attaquer, sa personne là, dans quelques années après, il envoie l'islam. Il appelle Khalid bin Walid, radiallahu anhu. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, Rasulallah. Ça fatigue moi, qui avant l'islam, on tue beaucoup pour me demander compagnon. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, oh Khalid, est-ce qu'il ne te pas connaît qui l'islam? Il détruit tout le monde qui avant, et dit, une mauvaise action, et qui t'a au bas, il efface tout le monde péché. Donc ça montre nous qui se conscient, tu peux reprocher, mais à partir de là, il vient gagner tranquillité, début parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré qu'il s'appelle fatigué, qu'il est fait du beaucoup parmi les Sahaba. Quelques années de cela, il est parmi l'ennemi de l'islam. Quelques années après,
les vins pour lui battre la tête. Ce qu'a même qu'il y a de titre, c'est il faut l'or, l'épée d'Allah. Ça montre nous qu'un dimoun aujourd'hui est capable d'aller gourmand, demain il vient un des grands piliers de l'islam. Quand on veut dire pilier, veut dire Bahoumi Banki amène le message de l'islam vers les autres. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.